Salut Matelot, vous allez bien? Aujourd'hui, on va s'attaquer à un très gros poisson, puisqu'on va parler des dindes de la mer. Allez, c'est parti! Les Dents de la Mer est un film américain sorti en 1975 et réalisé par Steven Spielberg. Le film aura en tout coûté 9 millions de dollars et rapporté 476 millions de dollars. Une réussite écrasante qui a donné naissance au tout premier blockbuster. Et cela a commencé par ce mec, Peter Benchley, qui, après avoir attendu une histoire sur un gros requin, décide d'écrire le roman Jaws. Ce roman attire l'œil de deux producteurs, Richard Zanuck et David Brown, qui vont proposer l'idée de transformer ce roman en film à Universal. Ni une, ni deux, la machine est en route. Mais le tournage ne fut pas de tout repos. Outre le retard accumulé, le tournage a été réalisé en mer. Le gros problème, c'est que l'eau salée a énormément endommagé les mécanismes du requin animatronics, et la moitié du temps, le requin était en panne. Avec ça, vous rajoutez des journées où aucun plan n'a été retenu à cause des imprévus, des conditions climatiques désastreuses et plein d'autres problèmes, notamment le bateau utilisé pour la fin du film qui coule. Et voilà, la naissance du pire tournage de tous les temps. Spielberg est même parti avant le dernier plan du film, car il a appris que l'équipe voulait se venger de lui à cause de tout le calvaire qu'il aura fait endurer pendant le tournage. Maintenant, c'est devenu une habitude et à chaque fin de film qu'il fait, il s'en va avant le dernier plan. D'ailleurs, au départ, ils voulaient utiliser de vrais requins dans le film, mais heureusement, ils ont changé d'avis et ont donné naissance à Bruce, ce gros pépère qui encore aujourd'hui est impressionnant. Ils ont tout de même filmé de vrais requins pour des plans sous l'eau quand Hooper est dans la cage. Et pour rendre le requin plus impressionnant, l'acteur a été doublé par un nain. Bon, maintenant que vous connaissez les coulisses du film, allons voir ce qu'il vaut. Au revoir et adieu, jolie fille madrilène. Au revoir et adieu, jolie fille d'Espagne. On commence notre film avec ce mec qui va dire un truc à cette meuf. Pour combien d'euros ? Je te touche en bas là ! En bas ! Du coup, la demoiselle va fuir en se déshabillant. Une technique comme une autre. Avant de sauter dans l'eau, mais apparemment la fille possède un moteur de bateau dans le cul. Puisqu'elle s'amuse à faire des tours dans l'eau, avant de finir comme le Titanic. Le lendemain matin, on fait la connaissance de l'inspecteur Ricard. Ils sont dans le jardin, ils risquent rien, ils sont pas bien loin. Dans le pire village du monde. Sapeurs-pompiers qui exigent que pour la fête, il y a une voiture d'urbante ou d'une Hampshire qui veut les gosses confier à ma clôture. Des gosses de nuit tout n'avant. Et j'ai des lunettes à votre lunette. Le mec ne peut même plus respirer et en plus ça lui clash la gueule. Inspecteur Ricard va tomber sur la main de la femme à moteur. Mais pas de panique, puisque le responsable de cette attaque est un bateau. Il se peut bien qu'un bateau l'ait eu au téléphone. Et ça, c'est un bateau, du con ? Oui, exactement. C'est un nouveau type de bateau. Mais aïe ! Vous criez Barracuda, tout le monde dit un grand. Barracuda ! Oh. Tu es un menteur. Donc, en plus du môme, le requin a mangé Pépette. Pépette ! Viens vite, Pépette ! Ah, ben Pépette, elle s'est fait gragraille, hein ? Génial, une attaque de requin. Après l'attaque du bateau, requin, inspecteur Ricard va faire appel à deux autres personnes. Un vieux. Pour faire appliquer le touriste vu que le Pékin il met du beurre dans le plat d'épinards. Et un expert. La police me charge de vous dire que vous êtes en surcharge. La police en a. Pendant ce temps, inspecteur Ricard et sa femme se documentent sur les requins. Personne ne connaît la longévité des requins. Ils vivent 2000, 3000 ans, on n'en sait rien. Marthe. C'est peut-être pas un peu dans la bulle, là hein. Ben non, regardez Zemmour, il a plus de 1000 ans, ce petit saligo. Et il se porte bien. Ouais, pas faux. Assez, Michael, sort de ce bateau tout de suite. Son anniversaire demain. Je ne veux pas qu'il aille sur l'eau. Ça ne risque rien, il est dans son bateau. La question n'est pas là. Michael ! Veux-tu obéir à ton père ? Tu entends, sors de ce bateau tout de suite ! Bon, faudrait savoir à la fin. Il monte ou il monte pas ? Cette histoire ayant attiré l'attention, beaucoup de pêcheurs partent attraper le requin, accompagnés de leurs chiens et de dynamite. Ils vont tous mourir. Ben quoi ? Vous pensez vraiment attraper le requin avec des chiens et de la dynamite ? Eh ben oui, mon petit gars. Non, non, mais allez-y, je veux surtout pas rater ça. Au final, ils arrivent à attraper le requin. Pardon ? Et toc, t'es de ta gueule. Petit marin doudou. Mais après qu'une vieille ait giflé inspecteur Ricard,
Lui et le scientifique s'aperçoivent que ce n'est pas le requin, car celui qu'ils ont attrapé se nourrit exclusivement de voitures. Inspecteur Ricard va donc raconter sa vie au scientifique qui s'en tape un peu. Bien, Amity, là je vous jure qu'on voit la différence. En 25 ans, il n'y a eu aucun délit majeur, ni coup de feu, ni meurtre, ni rien de ce genre. Non, sérieux ? On voulait un bretzel ? Nos deux compères vont donc expliquer au maire, calmement, la situation. Il faut entrer en rigueur et procurer l'arme absolue contre ce requin, chaque seconde, chaque minute, chaque... Mais le maire n'écoute pas. Tu m'étonnes ! Ensuite, il arrive ça. Une scène réutilisée deux fois avec un acteur différent. Quoi, ça aussi ça a le mérite d'être souligné. Outre ce plan réutilisé, le requin attaque de nouveau et se farcit ce mec. Ah oui, il est gros le bestiau. Inspecteur Ricard et le scientifique vont donc demander de l'aide au vieux. Vous avez vos capotes ? Et nos trois pêcheurs s'en vont fumer le requin. Pour résumer, on a un flic qui a peur de l'eau, un vieux pas très net dans sa tête et un scientifique un peu baumé. Ça promet. Et les voilà, en train de chasser le requin. Donc après avoir fait les fanfarons, ils chassent vraiment le requin. Plus loin ! Où ça ? Devant vous ! Jamais ! Mais allez-y, quoi ? Quoi faire ? Vous voulez bien aller jusqu'au poste de vigie, oui ? Quoi ? Allez jusqu'au poste de vigie ! Mais vous voulez faire quoi ? Les Avengers n'ont qu'à bien se tenir face à cette équipe de choc. Donc après ça, Quint va casser la radio parce que... Parce qu'il est teubé ! J'ai cassé la radio, là là, j'ai cassé la radio ! Après, ils vont tirer dans la tête du requin, lui accrocher deux barils au cul, mais le requin s'en fiche et Quint va casser le bateau. Quint, arrêtez-moi ! Ferme ! Oh, une étoile filante. D'ailleurs, c'est une réelle étoile filante qui a été capturée par la caméra. C'est sympa, non? Et c'est à ce moment-là que Hooper décide d'aller faire un tour sous l'eau avec sa cage à requin. Oui, vous aussi, vous sentez que c'est une mauvaise idée? Mais à part crier et faire des grimaces, il a servi à rien, ce type. Après ce casse-croûte, le requin bondit sur le bateau et se farcit le vieux. Inspecteur Ricard se retrouve donc seul. Mais pas de panique, le requin a décidé de mâchouiller une bonbonne de gaz. Sauf qu'on ne mâchouille pas une bonbonne de gaz, sinon... Bom bom bom, montre-moi le chemin de la maison. Bom bom bom, je suis claqué et je veux aller me coucher. Je suis un petit couillard à peu près une heure, et ça monte droit à la tête, où que j'aille, où que je vais. Ce film est un chef-d'œuvre des temps modernes. À sa sortie, ce film a créé une véritable psychose. Tout le monde avait peur de se baigner, sauf pour la station balnéaire qui a servi de décor au film. La petite ville de Martha's Vineyard, qui après la sortie du film, eut 15 000 vacanciers qui affluèrent pendant les vacances. Je vous l'accorde, le film est vieux et regorge de faux raccords. Notamment celui-là où on voit un technicien ou la dent du requin qui se plie. Mais il reste néanmoins un chef-d'œuvre. Pourquoi ? Déjà, nous avons les attaques du requin. Spielberg ne voulait pas montrer le requin directement. A l'origine, le requin devait être omniprésent à chacune de ses attaques. Mais en raison des divers dysfonctionnements des fausses squales, les plans étaient ratés. De ce fait, Verna Field a proposé à Steven Spielberg de tous les retirer et de ne suggérer que la menace, jugeant que cela rend les séquences plus effrayantes. Il joue avec l'imagination des gens. On aperçoit un aileron, une tête, mais pas la bête entière. Jusqu'à la fin du film, où le monstre apparaît enfin. En plus de ça, ces attaques sont accompagnées par la musique la plus connue du cinéma. Une musique qui est tout simplement parfaite, qui utilise deux notes. Cette musique, on la doit à un géant de la composition, John Williams. Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars, E.T. Bref, c'est un mec qui a de la bouteille. Mais surtout, le point crucial sans qui ce film serait devenu oubliable, ce sont ses personnages. Martin Brody, interprété par Roy Scheider, Matt Hooper, interprété par Richard Dreyfuss, et Quint, interprété par Robert Shaw. Trois hommes complètement différents que tout oppose, et qui pourtant vont devoir faire face à la même menace. Leur dialogue, leur interaction, c'est ça qui porte tout le film. Ces trois hommes sont là pour le requin, mais chacun
à sa propre motivation. Martin, un policier venu dans cette station balnéaire pour sortir de New York, rempli de criminalité. Croyant trouver la tranquillité, il va devoir faire face à quelque chose de pire. Au début très craintif et ayant la phobie de l'eau, il va être dépassé par les événements. Mais tout va déraper quand cette menace va s'approcher de son fils. De là, Martin va être guidé par son instinct de protecteur. Hooper, lui, est un jeune océanographe. Très immature, il est en parfaite harmonie avec Martin. D'ailleurs, dans le roman, cet enculé se tape la femme de Martin. Au contraire, lui et Quint ne s'apprécient pas beaucoup. Le jeune homme est là pour cette histoire qui le fascine. Il veut observer ce monstre unique, mais son émerveillement va se transformer très vite en effroi. Et puis nous avons Quint, un vieux loup de mer aux premiers abords très con, vulgaire et alcoolique. Il s'engage à tuer le requin contre une belle somme. Il semble prendre du plaisir à tuer ses animaux, comme s'il n'avait aucune morale, exposant toutes ses mâchoires au mur de son atelier. Mais son monologue, dans une scène incroyable entre nos trois personnages, explique pourquoi cet homme est devenu comme ça. Un soldat qui a survécu à un naufrage, mais qui a vu tous ses amis se faire dévorer les uns après les autres. Le matin du jeudi, je me retrouve tout près d'un vieux copain, il s'appelait Robinson, un type de Cleveland. J'ai cru qu'il faisait un somme. Alors je me suis dit, il faut que je le réveille. Il faisait des bonds dans l'eau comme un jouet de celluloïde. Et complètement cisaillé à partir de la taille. On comprend donc sa motivation, une vengeance. Une vengeance pour tous ses frères d'armes dévorés par ces bêtes. Et ce requin est pour lui la quête finale, celle d'une bête énorme mangeuse de chair humaine. Il connaît ces animaux. Et je vais vous dire, moi ça a des yeux sans vie, sans rien. Une paire d'yeux tout noir, des yeux de nounours. Lorsqu'il s'approche de vous, le requin, il fait preuve vivant. Jusqu'à ce qu'il vous happe. Là, ses petits yeux noirs, ils deviennent blancs. Et alors, oh, on entend ce cri terrible qui vous perce le tympan. Et l'océan est tout rouge. Et malgré qu'on se débatte, qu'on gueule et qu'on hurle, ça grouille de partout. Et ça vous met en pièces. Il les traque, il les appâte et les piège. Mais son assurance lui coûtera la vie. Cette fois, il ne va pas affronter un simple requin. Mais son imprudence et son obstination vont le conduire droit dans la gueule du loup, nous offrant par ailleurs la scène de mort la plus épique du cinéma. D'ailleurs, dans le roman, quand Quint jette les harpons sur le requin, une des cordes s'attache à lui et il est emporté par le gros squale. Et il meurt noyé. Ces trois hommes forment un trio légendaire. Il n'y a pas une phrase qui soit idiote. Ces personnages sont humanisés avec des séquences de dialogue, des moments de rigolade ou d'engueulade, de doute ou de peur. Ils sont véritablement vivants. Le film nous attire grâce à eux. Et même maintenant, avec les effets qu'on vieillit, le jeu de ces trois grands noms du cinéma nous plonge dans le film. Et on en oublierait presque que tout ceci est faux. Avec le succès du film, plusieurs suites ont vu le jour, mais malheureusement, pas que pour du bon. Mais aussi, le film a grandement participé à la surpêche des requins, donnant une image mauvaise à ces animaux qui pourtant ne sont pas si agressifs que ça. Et Steven Spielberg avouera plus tard qu'il regrettait d'avoir participé à donner cette fameuse fausse image. Maintenant, quelques anecdotes. La mort de l'homme à la barque était à l'origine plus longue. Le requin fait chavirer le canot, faisant ainsi tomber l'homme dans l'eau. Ce dernier remonte lorsque le squale arrive derrière lui et lui attrape la jambe. Par la suite, le requin amène sa victime dans sa course en emportant Mike au passage, pour finalement s'enfoncer dans l'estuaire. Jugé raté, Spielberg a donc décidé de raccourcir la séquence et de l'arrêter au moment où la jambe de l'homme tombe au fond de l'eau. Lors de la post-synchronisation des scènes, Suzanne Baclini s'est installée sur un tabouret et a reproduit ses hurlements, tandis que Spielberg s'amusait à la noyer avec un verre d'eau pour qu'elle se gargarise. Un vrai sadique, ce Spielberg. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, enfin bref, vous connaissez toute l'histoire. En attendant, n'oubliez pas, la folie n'a pas de limite. Allez, ciao !